La 9e journée du top 14 qui a débuté cet après-midi avec la rencontre entre la section paloise et le Stade Toulousain. Paris qui s'est imposé, Toulouse qui s'est imposé plutôt 24-20 sur la pelouse de Pau avec une grosse mêlée et de la réussite, comme le résume Romain Lafitte. Toulouse met fin à la disette, un mois qui n'avait plus gagné le moindre match. La douceur de l'été indien béarnais pour le retour de Samuel Marquez à Pau, retrouvailles chaleureuses avec Colin Slade, son ancien compère de la charnière à la section. En début de match, c'est Pau qui inquiète. Les fautes se succèdent. Doucin, préféré à Marquez, en panne de confiance devant les poteaux, assure. Après 25 minutes, Toulouse mène 9-3. Simon Mannix n'aime pas ce qu'il voit et le fait comprendre. Je pense surtout en première mi-temps, on a beaucoup donné de points. Surtout sur des fautes d'indiscipline, où je pense qu'il y a 9 points de trop qu'on peut effacer. Après une demi-heure insipide, Pau s'y met enfin, prend des risques avec plus ou moins de précision. Il faut le coup d'œil de Slade, la passe parfaite pour Dupichot pour désorganiser la défense. Intelligemment, le jeune ailier prêté par le Racing évite la touche. Vatouboua en relais tout proche de marquer, ça brûle sur la ligne toulousaine. Toujours dans les 5 mètres toulousains avec Ramsey qui va y aller. Le voilà, le premier essai de ce match en faveur des Palois, marqué par Daniel Ramsey. Le coup de pied de Slade est parfaitement ajusté. Le geste décisif de l'ouvreur Black et la disponibilité des trois quarts palois pour conclure une action interminable. Plus de 2 minutes et 15 phases de jeu. Pau prend l'avantage pour la première fois de l'après-midi. Mais la fin de première période est cauchemardesque pour Pau. Un drop de Doucin d'abord, puis un essai conclu en force par Julien Marchand. Plus pragmatique, Toulouse revient à des choses simples. Un ballon porté, le bon travail du 8 de devant. La défense paloise ne résiste pas. Idéal pour Toulouse, juste avant la pause qui mène 17-10. Ça cogite sous les casquettes des jeunes supporters palois. En ce début de seconde période, les joueurs de Simon Mannix n'ont plus le choix, il faut jouer. Ce qu'ils font plutôt bien sur cette action. Vatouboua, très bon cet après-midi, tente de percer le rideau défensif. Pau met de la vitesse, le service de Ramsey pour Vautou est sublime. Samuel Marquez vient même féliciter son ancien coéquipier. À 3 contre 2, Ramsey vient créer le décalage. Un essai, une passe décisive dans ce match. Le Néo-Zélandais est l'homme clé de la section. Toulouse ne voit plus le jour. Tom Taylor ne rate pas l'occasion de redonner l'avantage à Pau. 27, mais encore près de 20 minutes à jouer. Les Palois ne veulent pas en rester là. Ils sont joueurs en cette seconde période. Peut-être un peu trop quand Vautou laisse échapper le ballon sur la passe de Slade. Doucin récupère et tape à suivre. Le ballon est quand même récupéré par les Palois, mais suivez bien le positionnement de Julien Thomas. Pris dans le ruck, le demi de mêlée ne peut plus tenir sa place. Colin Slade prend donc position derrière les avant-palois. Dans un poste inhabituel pour lui, il se précipite. Le jeu au pied de Slade. Contré, ballon pris par Tecori, il va y aller évidemment. Oh, le coup du sort en faveur des Toulousains. Tecori offre la victoire à Toulouse. Hugo Mola n'en revient pas. Sur la dernière rencontre, les fins de match ne sont pas souris. Là, on a eu un coup du sort pour nous avec ce contre magnifique de Joe sur dans les dernières 20 minutes. Donc l'important pour nous, c'est la victoire aujourd'hui. C'est d'avoir su un peu remporter ce bras de fer pour une fois en fin de match. Quoi. Et regardez l'erreur de Colin Slade. À aucun moment, il ne quitte le ballon des yeux. Tecori a bien senti le coup. Le Money Time sourit enfin aux Toulousains. De jeu, produit belles choses, mais voilà, on n'arrive pas à concrétiser. Après voilà, Toulouse a fait un bon match, ils ont été très solides en défense et voilà, ça, c'est sûr, c'est frustrant de ne pas gagner à la fin, on y croit encore jusqu'au bout quoi. Et voilà, c'est dommage. Des Toulousains renversant vraiment durant cet après-midi, ça change des dernières semaines. Pour Pau, c'est déjà la 3e défaite à domicile de la saison. 24-20, c'est le score et c'est la première victoire à l'extérieur pour le Stade Toulousain
cette saison. Voilà la statistique au sol. L'information aussi côté toulousain, c'est une mauvaise nouvelle pour Maxime Médard qui est sorti blessé, l'arrière du 15 de France qui doit rejoindre Marcoussi demain. Il fait partie des joueurs convoqués. Touché à une cuisse. Alors Maxime Médard ce soir nous a donné des nouvelles. Ça va, sa cuisse lui fait moins mal. Il doit passer des examens complémentaires demain matin avant de gagner Marcoussi. Donc pour le rassemblement du 15 de France afin de préparer la tournée du mois de novembre.